quelques grands, grands ténors de la spécialité comme Naïmov, de son prénom Alexei. Saut de cheval, 25 mètres d'élan, accélération, rondade, flip. Oula. Et c'était un petit peu juste, effectivement. Pas suffisamment de vitesse, il a un peu ralenti sur la fin. Il compromet ses chances de monter sur le podium de ces internationaux de France qui, je vous le rappelle, sont considérés comme la compétition mondiale la plus importante après les championnats du monde et les championnats d'Europe. C'est un rendez-vous que ne veulent en aucun cas manquer les gymnastes de tous les pays, surtout qu'il est qualificatif cette fois pour la Coupe d'Europe, alors que, effectivement, c'est vraiment ce dommage. Saut a été un petit peu embrouillé à la fin, alors qu'il était superbement dommage parce qu'il est très original. Un demi-tour dans la première phase et l'une salto avant carpé demi-tour dans la deuxième phase. Les jambes se sont désunies dans l'espace et ensuite il n'a pas pu rattraper. 9,550 pour Sharipov. Naïmov va récolter une note très moyenne pour ce premier saut. Va-t-il se surpasser lors de sa deuxième tentative? Ouais, il refait quasiment le même, mais cette fois sans le demi-tour dans le deuxième envol. Naïmov qui a obtenu 9-10 sur le premier saut. Vous voyez, c'est la même chose. On revoit la rondade, le demi-tour, l'impulsion, le salto avant carpé. Voilà, il est